ça tourne. Bien le bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais faire un petit vlog sur un spot très spécial. Donc vous avez vu, hein, là c'est pas habituel hein, comme configuration. Il y a la route un peu partout, mais il y a ce petit écrin de verdure à base de châtaigniers. C'est pour ça qu'on les aime, c'est parce qu'ils sont bien solides, ils sont jeunes, ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ils ont surtout en fait des branches basses qui n'ont pas encore été élaguées naturellement par leur croissance. Voilà, je sais pas comment expliquer. Donc je vous présente un petit peu. Bon, il y a les voitures à côté, ça c'est un peu chiant parce que tu dis ah c'est bien, c'est un spot naturel et tout, c'est au calme. Et ben non, parce qu'il y a l'autoroute. Et voilà le spot. Comment j'ai trouvé? Bah, je suis passé un jour à côté en voiture et je me suis dit là il y a de la branche et de la solide. En fait ce spot j'y suis pas allé depuis un an. En fait ça c'est une baguette magique, ça sert à faire tomber les branches. Je vais vous emmener en POV. Je vais mettre la GoPro dans la bouche, ça vous allez mieux voir. Abattez-les tous. Abattez-les tous. Donc voilà le saut qu'on peut faire maintenant sur cette branche là-bas. Alors la branche est de travers et avant de faire le saut, je vais nettoyer le lichen parce que ça glisse. T'as des petites mousses comme ça qui sèchent. En fait c'est une patinoire le truc, c'est comme si tu mettais du sable sur une barre ou de la poussière, ça glisse. Petit exemple, vous voyez celle-là là, tac. En fait je vais jamais m'en servir. Donc je la coupe parce qu'en fait elle va me prendre de la lumière là-bas. Donc je la coupe et ça va favoriser les branches du dessous. Celle-là que je veux garder. Yeah. Je m'en vais libérer cette branche du joug de l'Empire Roncier. Il m'en a coûté de cette branche. Et enfin libre. En fait, si celle... si cette branche-là, elle meurt, on perd le lien avec celle-là. Tac. Ah non, on voit pas mon doigt. Tac. Tac. Et là, c'est vraiment le truc idéal. Là, il y a un press à faire. Je viens de le découvrir tout à l'heure. Il y a trop de trucs à faire. Par exemple, si je coupe celle-là, là, il y a un balancé press là-bas. Donc là, tac. Mais si je la coupe après, j'ai plus le press. Et a few moments later. Si je coupe celle-là, je pourrais faire un press de là à là. Mais One eternity later. Bah, faut que je la coupe alors en fait. Ok, allez, on va la couper. En plus, je viens de remarquer qu'elle fait l'ombre à ma branche préférée.
celle-là. Donc elle a aucune chance, je vais la couper. Voilà. Alors je vous déconseille de refaire ce press avec une scie dans la main. C'est super dangereux en fait. Vous êtes inconscient. Mais en même temps, en cas d'extrême urgence, ça peut être super utile. Je pense. Ça coupe du bois. Attaque Kirik. Ces branches là, elles vont être super solides. Celle-là, elle va prendre toute la lumière. Sauf si ce jeune châtaignier décide de me faire de l'ombre. Dans ce cas, je vais régler son compte. Maintenant que tout est bien entretenu et amélioré, je vais pouvoir m'entraîner. Il faut savoir que je prends autant de plaisir à préparer le terrain qu'à m'entraîner en fait. Faire du parcours. Monsieur, ça bouge, ça bouge. Oh, la craque, ça. Oh.
C'est qui papa? En fait, ce qu'il me faudrait pour filmer ici. C'est un ami. Ce genre de trépied. Providentiel dans ce genre de situation. Alors ça, je sais plus si c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est très romantique. D'ailleurs, ça va me servir de trépied. Un peu inhabituel, hein. On va essayer. Prêt ? C'est pas mal comme ça. Eh, on est arrivé. Si toi aussi tu veux devenir... Ok, on l'a refait. Si toi aussi tu veux devenir bûcheron, acrobate, envoie ton CV à Bohan. Alors ceux qui me disent, oui, où est-ce qu'il faut commencer le parcours? Moi j'habite en campagne, j'ai pas de spot. Ma frère, clairement moi j'ai commencé en forêt. Et bah voilà, ça c'est un spot. C'est vrai qu'à la base c'était pas vraiment un spot. Maintenant c'est le premier parcours parc de Bretagne. Ah non, le deuxième. Bah le premier, parce que il compte pas celui de Rennes, il est moche. Donc pour commencer le parcours en campagne, qu'est-ce qu'il faut? Des chaussures et une scie à main. Et ça construit des spots. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est par exemple, vous voyez cet arbre là, je lui ai coupé beaucoup de branches. Et pour me faire pardonner, donc Volvic, c'est la marque préférée des arbres. Dans des châtaigniers, hop, on lui met un petit peu d'eau et ça lui permet de se consolider tout de suite en fait, parce que la Volvic est riche en bicarbonate de sodium, de magnésium et en sulfate, beaucoup de calcium aussi, ce qui permet à l'arbre de reconstruire ses fibres tout en douceur. Donc je recommande chaudement Volvic. Pour garder une croissance optimale. L'homme qui a créé le parcours, David Bell, a dit: il faut se nourrir des obstacles. Abattez-les tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Là, je vais continuer de m'entraîner. Ça prend un temps énorme, enfin, ça prend un temps fou de faire tous les cadrages à chaque fois quand je montrais un mouvement. Là, je vais m'entraîner en mode. Je vais me finir physiquement. Et après, je pourrais rentrer chez moi. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est enregistré. C'est enregistré. Ok. Ouais. Ah oui. Si vous avez des forêts comme ça à élaguer dans votre secteur, plutôt en Bretagne, pas trop loin, parce que je vais pas faire de déplacement, vous me le dites. Donc c'est soit des châtaigniers, soit des hêtres. Ce qu'il me faut, c'est pas mal de branches basses, comme ça, super solides. Qui sont pas en train de crever, vous m'appelez, moi je viens, je taille tout ça, vous me faites un petit chèque et on s'entraîne ensemble. Ou alors on peut s'arranger pour le chèque, ça peut être autre chose, il n'y a pas de problème. Allez, bisous.